Ce vendredi 2 septembre 2022, l'honorable Vicky Katumwa reçoit en sa résidence sur la colline SNCC dans la ville de Kalemie les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise au Tanganyika, le général Jean-Yves Mukaya. Poignée de main entre les deux personnalités, le climat est tout simplement convivial ici. Installés, les deux personnalités abordent des questions liées à la sécurité. Clairement, l'élu des élus cherche à comprendre par cette entrevue avec son hôte les difficultés que connaît la police au niveau de sa province de Tanganyika dans la sécurisation de la population et de ses biens. Les soucis pour elle est non seulement d'avoir connaissance de ces problèmes auxquels fait face la police, mais surtout de lui permettre d'entreprendre des actions au niveau de Kinshasa pour des solutions qu'elle veut durables pour son Tanganyika natal. On a échangé sur des solutions durables et idoines qu'on doit rechercher pour que la province soit sécurisée et qu'il y ait des éléments de la police pour sécuriser les personnes et leurs biens. Il y a vraiment une chance, tant au niveau de la province qu'au niveau du pouvoir central, pour l'aider. Il faut vraiment profiter de son expérience. Et nous, en tant que politique, nous avons vraiment cette obligation de l'aider pour que sa tâche soit facile et qu'il ait les éléments à sa portée et que le travail que la nation lui demande soit exécuté avec beaucoup plus de facilité. Très ému de l'entretien avec la sénatrice, et surtout de l'importance que celle-ci accorde à la sécurité de la population, les commissaires provinciaux de la PNC au Tanganyika, le général Jean-Yves Mukaya, révèlent que les éléments de la police dans cette partie du pays sont en sous-effectif et ne disposent pas d'un charroi automobile conséquent, les trois jeeps mis à leur disposition étant tout en panne. Voilà qui ne permet pas à ces éléments d'être plus mobiles et de répondre aux cris de détresse de la population la nuit. Jean-Yves Mukaya se rabat sur Vicky Katumwa pour que des plaidoyers soient menés au niveau de Kinshasa et que des solutions soient vite trouvées. Je suis content d'abord d'être avec la sénatrice, puisque c'est son travail. Quand il arrive dans la base, il doit savoir comment est la population, comment les gens de l'État se comportent, quelles sont les difficultés. C'est tout ce qu'elle vient de faire à son appel. Et je lui ai expliqué tout pour que quelques solutions, ça doit sortir par elle quand elle dépose son rapport. Préoccupé par les regains de l'insécurité marqués ces derniers jours par des braquages et plusieurs cas de banditisme, notamment à Kalemie et à Manono, Vicky Katumwa tient au retour au plus vite de la paix pour aider la population à vaquer librement à ses occupations et à se sentir en sécurité. Ok, maman. Merci.